Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entends dire que tu es le Verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui vint des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour?
tu aimes le verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le verbe créateur. Oh, verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut qui vint des cieux jusqu'à moi. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place à la croix? Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire? Oh, verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Alors nous sommes debout, nous allons lire, nous prenons les livres d'Ésaïe 42. Ésaïe 42, versets 21 et 22. C'est un texte que nous avons mis la dernière fois. Nous voulons encore les relire pour introduire le message d'aujourd'hui. Ésaïe 42, versets 21 et 22. Je pense que tout le monde a trouvé. Qui te fit descendre aussi bas. Amen. Amen. Ok, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. De toi j'entends. Yahweh Alina qui pour la volume d'Israël. Publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Amen. Nous acclamons la parole et prenez place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, ce texte nous sert juste d'entrée. L'Éternel a voulu, donc ici on nous montre la volonté de Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Publier une loi grande et magnifique. Bien aimé, le Seigneur a toujours voulu ton bonheur. Ici, on parle du bonheur d'Israël. Pour que Israël puisse être dans le bonheur, Dieu s'est décidé de publier une loi grande et magnifique. Et la loi de Dieu, c'est sa parole. Comme vous le savez bien aimé, Dieu a beaucoup parlé dans la Bible. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une loi. Quand il ordonne, donc c'est une loi.
Il ordonne que tu sois puissant. Quand il dit dans le pays où mon nom est invoqué, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. C'est une loi. Quand il dit il n'est pas bon qu'un homme, que l'homme soit seul, c'est une loi. Donc Dieu, pour le bonheur d'Israël, il a publié une loi grande et magnifique. C'est très magnifique de sortir du célibat. C'est très magnifique de sortir de la maladie. Mais écoutez la suite, bien-aimé, le verset 22. On nous dit, et c'est un peuple. Donc, malgré que Dieu a décidé, malgré que Dieu a publié, mais la suite dit ceci, mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Donc ce que leur Dieu leur a accordé a été pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui disent restitue. Ça, c'est la situation d'Israël. Israël aujourd'hui, c'est moi et toi. Nous nous réclamons être les descendants d'Abraham. Mais voilà la situation d'aujourd'hui, bien-aimé. Deutéronome 28, à partir de verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai bien dit Deutéronome 28 à partir de verset 29. Écoutez, bien-aimé. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Je ne sais pas si vous avez senti le parallélisme entre les deux versets. Dans Ésaïe 42:22, on nous dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui disent restitue. Bien, mais les deux versets parlent du dépouillement et du pillage. Et les deux versets nous expliquent aussi qu'il n'y a personne qui peut te venir en aide. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer cet après-midi. Puisque la Bible que je tiens ici, bien aimé, me dit quelque chose. Si dans le monde, personne ne peut te venir au secours, mais il y a un Dieu qui s'appelle le secours qui ne manque pas dans la détresse. Et il dit, quand les malheureux crient, moi j'entends. Cela nous montre que dans la vie, personne ne peut t'aider. Si ce n'est Jésus-Christ, bien, mais rien que lui, il n'y a que lui qui s'appelle le Sauveur. Il n'y a aucune autre personne. Cet après-midi, je voudrais, bien aimé, vous parler d'une situation. Toujours de la souffrance des prisonniers. Les deux versets nous ont permis, bien aimé, nous ont aidé à introduire le message. Puisque nous allons comprendre tout à l'heure. Nous voulons parler toujours de la souffrance des prisonniers. Mais il y a encore un sous-thème qui est toujours dans les grands thèmes. Sortir de prison satanique. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la prison de Samson. La prison de Samson. Nous parlons, bien aimé, de la souffrance des prisonniers. Samson, c'est une machine que Dieu a concis. Une machine conçue de main de maître. Dieu lui-même a conçu Samson. Il a mis toute la force dans Samson. Il a mis la gloire dans Samson. Dieu a donné des lois. Des lois magnifiques.
qu'aucune personne ne peut tenir tête devant Samson. Mais c'est Samson bien-aimé qui était devenu un objet d'humiliation, un objet de divertissement. Quand le Philistin voulait se divertir, il faisait appel à Samson. Amenez-nous Samson. Amenez-nous Samson. Et Samson, quand il venait bien aimé, quelqu'un vient, il frappe ici. Il dit: Samson, je suis où? Samson tâtonnait, il tâtonnait. Alléluia. Dans nos vies aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner. Tu tâtonnes pour le mariage. Tu commences avec Pichu. Pichu, ça ne tient pas. Après, c'est héritier. Héritier, ça ne tient pas. Après, trésor. Trésor, ça ne tient pas. Tu es bien aimé comme Samson. Samson, bien aimé, il tâtonnait. Il tâtonnait. Aujourd'hui, pour cette maladie, là. Tu essaies tel médicament, ça ne marche pas. Tu essaies tel autre médicament, ça ne marche pas. Tu es en train de tâtonner pour le travail pareil. Tu tâtonnes, bien aimé. Tu commences femme de chambre, demain tu es auxiliaire de vie, après tu es ceci, cela. Bien aimé, tu tâtonnes. Tu n'as pas une vision claire. Une personne qui tâtonne, c'est une personne qui ne voit pas bien. C'est une personne qui n'a pas de vision. Il essaye, bien aimé. Or la Bible nous dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les ténèbres, puisqu'ils sont dans des prisons sataniques. Ils sont dans des prisons spirituelles. Mais ils sont en train de tâtonner. Ils démissionnent puisqu'il a déjà fait 20 ans de travail. Pour qu'on puisse lui donner les rappels, on va lui donner une bonne somme, bien aimé. Il va dire: maintenant je vais me lancer dans des affaires. Il va commencer à aller à Dubaï. Dubaï, ça ne tient pas. Dubaï est cimité. Il va aller en Inde. En Inde, ça ne marche pas. Il va aller à Guangzhou. Tâtonnage sur tâtonnage. Puisqu'il n'a pas de vision claire. Une personne qui a une vision claire, il sait que je veux faire ceci et ça va marcher. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, la vision, c'est Dieu qui nous l'accorde. La vision, c'est Dieu qui nous l'accorde. Dieu appelle Abraham. Abraham, est-ce que tu crois ce que je t'ai dit? Tu es le père de la multitude. Abraham n'avait pas de vision. Dieu lui dit: Abraham, allez, lève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des étoiles. Telle sera ta descendance. C'était une vision claire. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. Bien aimé, tu n'as pas de vision claire sur ta vie. Des fois, toi-même, tu l'as dit: je ne vois pas clair. Je ne comprends pas ma vie. Oh, bien aimé, même beaucoup de gens, ils font des études qui plus tard ne les servira à rien. Puis tu n'avais pas de vision sur les études qu'il va faire. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui devait faire la mécanique, mais il fait des études littéraires. Mais bien aimé, quand la vision n'est pas bonne, tu vas échouer. Et une personne qui est sûre de sa vision, bien aimé, cette personne ne lâche pas. Il est comme l'aigle. Ce qu'il a vu, même si ça ne tient pas, il sait que ça tiendra. Tôt ou tard, ça marchera. Puisque Dieu ne ment jamais, il me l'a montré, je n'abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Manifeste vraiment que tu es là. Nous sommes en train de parler, bien aimé, de la prison de Samson. Dans notre sous-thème, la souffrance des prisonniers. Samson, une machine de guerre. Dieu a donné même des lois établies pour la vie de Samson. Pour qu'il puisse être toujours dans la grandeur. Mais c'est Samson, vous savez ce qui s'est passé dans sa vie. Ses ennemis ont cherché une femme, une sirène. Bien aimé, ce thème de prison satanique. Je ne pense pas qu'on terminera maintenant. On va aller jusqu'à ce que. Alléluia.
Amen. Puisque cette fois-ci, je ne vais pas couper. Je vais continuer jusqu'à ce que. Non, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé. Quand nous disons deux semaines, ça ne tient pas. Trois semaines, ça ne tient pas. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur va accomplir son œuvre qu'il a commencé. Alléluia. Amen. Bien aimé Samson. Samson. On a cherché une sirène. Vous connaissez la sirène? Bobby sirène. Qui s'appelait Delila. La Bible dit cinq princes des Égyptiens. Ils ont cotisé l'argent pour donner à Samson. Afin que Samson séduise. Delila séduise. Pour Delila séduire. Samson. Afin de lui couper le cheveu. Pour et de l'amener en prison. C'était ça le but, bien-aimé. C'était ça le but. C'était que toi, tu dois séduire cet homme-là. Tu vas connaître son secret. Et quand on aura ce secret-là, nous allons l'arrêter. Et nous allons l'amener en prison. Qui a comploté contre toi? Pour connaître tes secrets. Afin de t'envoyer en prison. Prison de la maladie. Prison du célibat. Prison des pauvres. Bien aimé, nous avons vu ici dans notre premier texte que Dieu, pour ton bonheur, il a établi des lois bonnes et efficaces, magnifiques. Mais bien aimé, on a envoyé des espions qui t'ont espionné. Et aujourd'hui, ils t'ont envoyé en prison. C'était ça la vie de Samson. Mais bien aimé, écoutez la suite. Juges 16, verset 21. Juges chapitre 16, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes de reins. Il tournait la meule dans la prison. Je reprends, bien aimé, la lecture. Juges 16, verset 21. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Amen. Ah, donnez-moi des bons amen. Amen. Donnez-moi des amen des guerriers. Amen. Dis-moi bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus. Bien-aimés, nous parlons de la prison de Samson. Après avoir commis l'imprudence, bien-aimé, on l'a arrêté. Je voudrais dire, il y a des gens qui sont nés dans la prison, que nous avons appelés les prévenus. Mais il y a d'autres, et même par leur propre faute, bien-aimés, on les a arrêtés et envoyés en prison. Comme le cas de Samson. Si tu lis l'histoire de Samson, tu verras, bien-aimés, Israël était déjà comme des esclaves. Mais Dieu a voulu les faire sortir de cet esclavagisme. Hein? C'est pour cela qu'il a suscité Samson. Toi, tu peux naître déjà dans une famille où les célibats règnent. Mais Dieu te suscite afin de faire écrouler le célibat de ta famille. Mais si toi-même tu te compromets, cela n'est plus la faute de Dieu, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Ce fut le cas de Samson, bien-aimé. Il devait aider et libérer sa famille. Mais il est entré dans la compromission. Et cela lui a envoyé en prison. Analysons ce verset, Juges 16, verset 21. Puisque c'est le seul verset que nous allons lire concernant Samson, la vie de Samson. Les Philistins les saisirent. Bien aimé, s'il a été saisi, c'est à cause de cette imprudence. Alléluia. Amen. C'est à cause de cette imprudence qu'il a été saisi. Quand il a été saisi, il a été envoyé en prison. Écoutez, bien aimé, les modes opératoires des sorciers.
Il cherche des failles dans nos vies. Il cherche des portes d'entrée dans nos vies. Il cherche à connaître d'où vient notre force. Bien-aimé, notre force vient de la crainte de Dieu. Puisque la Bible le dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous craignons Dieu, le diable ne peut pas nous toucher. La Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne les touche pas. Mais quand tu ouvres des portes, Delila peut entrer. Et à partir de Delila, tu vas être arrêté et envoyé en prison. Ce fut le cas de Samson. Les Philistins les saisirent. Premièrement, bien aimé, pour que tu puisses être envoyé en prison, on doit d'abord te saisir. Te saisir veut dire t'arrêter. Est-ce que comme tu es là, tu n'es pas arrêté? Des fois tu dis des choses, mais en réalité tu es arrêté. Tu es déjà arrêté. Tu n'arrives plus à sortir du tabac. Tu n'arrives plus à sortir de l'impudicité. Tu dis quand même à mon âge, à mon âge c'est normal. Qui t'a dit c'est normal? Marie avait ton âge, mais la Bible dit qu'elle n'avait point connu d'homme. Bien aimé, tu peux dire que bon, la boisson regarde quand même. Hein, Timothée, on lui a dit de prendre un peu. Ah, mais la même Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand quelque chose bien aimé commence à me contraindre, je comprends directement que je suis prisonnier de cette chose-là. Toute situation à laquelle tu n'arrives pas à sortir, te met en prison. Alléluia. Amen. Toute situation à laquelle tu n'arrives pas à sortir, bien aimé, c'est une prison pour toi. Donc tu dois comprendre, bien aimé. Les Philistins les saisirent. Après avoir arrêté Samson, la Bible dit ils lui crevèrent les yeux. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, beaucoup sont dans des églises, mais ils sont dans des prisons sataniques. Ils ont les yeux crevés. Bien qu'étant à l'église, ils ne voient pas clair. Ils ont les yeux crevés. Leurs yeux sont crevés, bien aimés. Quand nous parlons des yeux crevés, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Beaucoup spirituellement, ils ne voient pas. Ils ne voient pas des choses, bien aimés. Ils ne voient pas des choses. Ils ne se marient pas. Il dit que bon, j'ai mon temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Puisque même Dieu lui-même, il dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais tel que je suis là, avec mes 60 ans là, si demain je me rends à la banque, monsieur, je voudrais prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro. Près de 20 ans, de 30 ans. Prêt à 30 ans, 20 ans. On dit, monsieur, tu as quel âge? 60 ans. 60 ans. Toi, c'est déjà fini. C'est fini pour Dieu lui. Fait toutes choses bonnes à son temps. C'est ton temps de prendre les crédits. C'est ton temps d'acheter les maisons. C'est ton temps de te marier. Puisque une femme, c'est une fleur. Moi, c'est la fleur. Demain, tu vas faner. Une fleur fanée, bien aimé, on jette. Fleur, ou bien on donne le cadeau. Beaucoup de femmes entrent dans le mariage en cadeau. Cadeau. Alléluia. Amen. Faut faire attention. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc vous comprenez que la beauté est liée au temps. Donc beauté est liée. La beauté est liée au temps. Beauté est liée. Donc tu dois faire très très attention, bien aimé. Tu dois voir clair sur ta vie. Si dans ta vie tu ne vois pas clair, sache que tu es un prisonnier. Si dans ta vie tu ne vois pas clair, comprends que tu es un prisonnier. Dieu, cette loi bonne est magnifique. Qu'il a établi pour toi. Dit que tout lien que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais depuis que tu es en France, tu ne vois pas clair. Toujours papier, papier, papier. Tu as commencé à Bobigny. Tu es allé à Melun. Ça ne marche toujours pas. Tu es allé à Versailles. Maintenant là, tu as envie d'aller à Orléans. Toujours papier, papier. Tu ne vois pas clair. Bien aimé, je te dis que tu es dans une prison.
Puisque la loi bonne et magnifique de Dieu, tu ne vois pas son accomplissement dans ta vie. Dieu a déjà donné. Ah, mais bien aimé, les gens disent Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Moi, je corrige cela. Puisque les gens ne comprennent pas dans quel contexte on a dit ces choses. Dieu n'a jamais donné pour reprendre. On dit donner, c'est donner. Et reprendre, c'est voler. Dieu ne reprend jamais. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné la puissance à Satan. Il n'a jamais repris cette puissance. Donc vous comprenez que Dieu ne reprend jamais. Saoul, bien-aimé, Dieu l'a établi comme roi. Mais malgré que Dieu avait rejeté Saoul, mais Saoul continuait à régner sur Israël puisque Dieu l'avait établi. Bien-aimé, voyons clair dans la vie. Quand on t'arrête, donc le mode opératoire du diable, d'abord c'est de chercher une porte. Quand il arrive à entrer, il va t'arrêter. Quand il va t'arrêter, il va troisièmement te crever les yeux. Il va te crever les yeux. Souvenez-vous, bien-aimé, j'ai parlé de l'homme fort. On dit que l'homme fort ne peut pas piller la maison s'il n'arrive pas. Vous connaissez les textes. Alléluia. Alors, continuons à analyser sur Samson, puisque je voudrais que nous puissions prier. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Troisième ou quatrièmement, puisque premièrement, c'est chercher une porte par Delilah. Deuxièmement, l'arrestation de Samson. Troisièmement, on l'a crevé les yeux. Quatrièmement, bien-aimé, ils le firent descendre à Gaza. Mais pourquoi pas là où on l'avait arrêté? Mais ils ont regardé. Non. Cet homme, c'est un homme très dangereux. Si on le garde en prison ici, il pourra s'évader. Pour être sûr, nous devons l'envoyer à une prison à haute sécurité. À une prison à haute sécurité. Toi qui envoies le feu aujourd'hui, Satan sait que tu es puissant, tu es très dangereux. Si tu t'arrêtes, bien-aimé, il va chercher dans quelle prison te mettre. Il ne va pas te garder sur place. Il ne va pas te garder sur place. Puisque les Philistins connaissaient la force de Samson, il savait que cet homme-là, si on le garde ici, il peut nous taper nous tous, il peut nous tuer nous tous, et il va s'enfuir. On va l'envoyer à une prison à haute sécurité. Toi, bien-aimé, avec des jeunes que tu fais, Satan a peur de toi. Mais quand il arrive à t'arrêter, bien-aimé, il va chercher dans quelle prison. Nous, au Congo, bien-aimé, nous connaissons des prisons à haute sécurité. Comme des Angenga, une prison dans la brousse, dans la forêt. Forêt sauvage, avec des lions, des léopards. Bien, mais cette prison est au milieu. Donc si tu arrives à t'enfuir, à t'évader, tu deviendras la nourriture des animaux. Alléluia. Amen. Donc toi, tu diras, vaut mieux que je meure ici. Une prison à haute sécurité. Il y a des prisons bien aimées souterraines. Bien-aimé, dans quelle prison on t'a envoyé? Je vous parle qu'il y a plusieurs prisons. Samson était dans la prison de la forêt. Dans la prison de la forêt, bien-aimé, Samson a risqué même sa vie. Il a failli être le déjeuner du lion. David a déjeuné à lion. Il a failli être, bien aimé, la nourriture de l'ours. Puisque sa prison, c'était la forêt. Quand nous voyons des gens comme des Jonas. Jonas était prisonnier, bien aimé, dans l'eau. Au fin fond de l'eau. Prison marine. Alléluia. Amen. Dans quelle prison es-tu? Où est-ce qu'on t'a mis? Na prison nini. Dans quelle prison? Où on t'a jeté? Bien aimé, on dit ici, Samson ne peut pas les garder ici. On va l'envoyer à Gaza. Vous savez Gaza?
c'était le siège des Philistins. C'est de là d'où vient Goliath. C'était la ville de Goliath. C'était la ville des géants. On a dit pour se sécuriser, on va l'envoyer là-bas. Toi, on t'a envoyé dans la prison marine, là où il y a les mamies Wata. C'est pour cela que tous les jours tu ne fais que rêver. Je suis dans l'eau, je suis dans l'eau. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Jonas, on l'a pris. Jonas, on l'a envoyé dans l'eau. La baleine l'a envalé. Il était là au-dessous, bien aimé, en dessous. Il était en train de pleurer là-bas. La prison marine existe. Donc, prison à Maï. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Prison à Zamba. Moni Samson est la prison à Zamba. Prison de la forêt. David était là. Kuna ba nyama ba lion ba loup ba ours. Les lions et les ours qui entouraient David. Tu ne peux pas fuir. Rocky Maté. C'était difficile pour lui de sortir de là. Puisque c'était une prison à haute sécurité. Il y a une prison beaucoup à sécurité à Makas. Jonas, bien aimé, dans l'eau. Jonas Namai. Combien de gens sont dans des prisons des eaux? Batouboni basan la prison à Mai. Combien de gens, bien aimés? Batouboni. Ils sont dans des prisons des eaux. Basan la prison à Mai. Tu ne peux pas t'évader. C'est une prison à haute sécurité. La prison moko ya sécurité à Makas. C'est une prison à haute sécurité. Prison moko ya sécurité à Makas. Je vais te dire une chose ou te révéler une chose. Bien aimé, nous savons que des anges, ce sont des êtres extraordinaires. Ange basan ba bikela moko ya. Mais il y a un ange. Qui a été envoyé en prison? L'ange Gabriel. Ange Gabriel. Celui qui est allé dire à Marie, donner à Marie la révélation. Que tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais cet ange Gabriel. Ange Gabriel. Bien aimé, la Bible dit que le roi de Perse, qui est l'image de Satan, l'a attrapé là dans les airs. Il l'a mis en prison là-bas. Oh, Gabriel a crié. Gabriel a ganga qui? Mais heureusement, les cris de Daniel sont arrivés jusqu'à Dieu. Et Dieu a envoyé un autre ange. L'ange guerrier. Guerrier comme toi. Guerrier comme moi. Cet ange qui s'appelait Michael. Quand il est descendu, il est allé jusqu'à la prison. Il a libéré Gabriel. Michael, bien aimé, a libéré Gabriel. Je vais te dire, dans les airs, il y a des prisons. C'est pour cela qu'Ephésiens 6, 12 nous dit. Ephésiens 6, verset 12 nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il a commencé à énumérer les différentes principautés. Nous combattons contre les autorités, contre les principautés, contre les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les airs. Vous connaissez bien. Il y a des esprits méchants partout. Il y a des esprits méchants partout. Bien aimé, il y a d'autres qui sont dans des prisons de la tombe. D'autres qui sont dans des prisons des cimetières. C'est pour cela Jésus. Oh, les sauveurs, bien aimés. Les sauveurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ces rois? Qui est le sauveur? Qui nous dit sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Bien aimé, quand l'espoir était parti, quand l'espoir était déjà parti, quand l'espoir était parti, la situation s'était détériorée. Un jeune homme qui s'appelait Lazare, il commençait à se sentir mauvais. Bien aimé, on l'a enfermé dans la tombe. On l'a enfermé dans la tombe. Bien aimé, quand Jésus est venu, écoutez les sœurs de Lazare. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. La mort peut être une prison. Alléluia. Amen. Ça ramène à confinement. Amen. Vous avez la corona. Alléluia. Tika corona que nous Amen. On a ta masque, on a ta tête, on a la bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai appris une histoire. Fait divers ici en France. Quelqu'un m'a raconté cela. Que moi si moko. Que une femme. Moi si wana kufa kala. Mais elle est morte il y a longtemps. Mais azalaki na mobali. Donc abimi na mboka msusu abimi na France. Elle est sortie ici de la France. Djomo katela bi petite. Elle a apparu ici en France. Na gola la te kakaye. Donc je ne veux pas m'endormir, je veux être avec elle. Atelito esimbi. Il l'a courtisé et ça a tenu. Vivre dans moi, il commence à vivre avec cette femme. Moi, là, mon koufi. Cette femme était une morte. Ils ont même eu deux enfants. Je ne sais pas si c'est l'ordre de l'histoire. Alléluia. Amen. Ils ont eu deux enfants avec une femme qui est morte.
Et ça que garçon dans mon Afrique. Je qu'il est parti en Afrique. Ah, belle famille. Pour voir la belle famille. Belle famille, on dit là. Ils ont commencé à pleurer. Ah, Koufakala. Elle est morte il y a longtemps. Regarde d'ailleurs le deuil. Dieu lui-même a dit moi si nanga. Non mais c'est dans un ami balé. On a deux Pichu enfants. Na trésor. Et Pichu et trésor. Oh. Donc garçon il pensait le rôle qui pelle que c'est le rôle Liboma. Il était vraiment troublé. Ils ont les Mikolo et Mikolo et Kakabian. C'est fait récemment. Là en France. Ici en France. Bah tu vas retourner nanga pasteur. Je m'en demandais pasteur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, c'est normal. Je dis oui, c'est normal. Alléluia. Amen. Moi, si yo, cette jeune femme, sans qu'on comprendre bien, si tu comprends bien, je ne connais pas son âge. Oui, âge n'a été. Donnons-lui 40 ans. Tu peux, c'est 40 ans. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Peut-être c'était prévu qu'elle meure à 50 ans. Tu sais ce qui est prévu à Koufa à 50 ans. Amen. Hein? Amen. Mais Babomien a 40 ans. On l'a tué à 40 ans. Et c'est pour ça qu'on en a. Amen. Babomien a 40 ans. On l'a tué à 40 ans. Donc vie n'a est normale. Oh, nous avons battu là et 10 ans de vie. La vie normale qui lui restait à vivre, c'était 10 ans. Mais il y a qu'un à 40 ans, donc avant 10 ans. Elle est partie à 40 ans, donc avant 10 ans. Donc Satan a muta bomié. Comme c'est Satan qui l'a tué. Bien aimé, l'ogonier au Salema. Qu'est-ce qui peut se passer? Son corps va mourir. Mais âme naie. Mais son âme. Et kokufate. Ne mourra pas. Satan a reçu âme naie. Satan prend son âme. À côté, si on a boloko. Il l'a mis en prison. Alléluia. Amen. À côté, ça, on a boloko. Il la met en prison. Dans les 10 ans restants, on va commencer à l'utiliser dans le monde des ténèbres. On peut l'utiliser, bien aimé, comme domestique. On peut l'utiliser comme un domestique. On peut l'utiliser comme démon. Ou bien comme un démon. Tant que tu démon, non, mais pas démon. C'est des démons de telle sorte. Alléluia. Amen. Oh, Azoya, bon, on a raté bien le ménage de la situation, surtout à place, mon sou. Certains endroits. Oh, il y a bimeli. Une femme très belle, tu sais pas d'où elle sort. Alléluia. Amen. Bisous à la barre. Nous, il y avait un bar. On avait concert, un bar. Il y bar. Il y avait des concerts dans le bar où on avait. Bien, mais tout kitoko. On a vu des femmes très belles. On cherchait l'adresse, mais on ne voyait pas. Même les concerts qu'ils font actuellement. Bah, esprit à cimetière, ils ont belé ou ils ont salamoussala. Beaucoup d'esprits de cimetière qui travaillent. Ils ont séduire bah frère. Ils séduisent les frères. Bien, mais ils ont même ma baron peut directement. Et qu'ils emmènent aussi directement. Donc moi, si on y a problème naïe. Cette femme, son problème. Bazoyer. On l'a pris. Si quoi bah tindier en mission pas y a frère. On l'a emmené en mission auprès du frère. Tant qu'elle est dendi frère à tel habité. Donc elle est passée. Tant que moi c'est moi. Il a rejeté même sa femme dans la maison. Pour cette femme là. Bah comme il vivre. Il commence à vivre. Bah comme il vivre. Et il commence à vivre. Bah tu deuxième question. M'a posé une deuxième question. Et maintenant, ces enfants-là, ils sont en vie, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas tuer ces enfants-là. Il faut obligatoirement délivrance. Il faut la délivrance pour ces enfants. Si délivrance, c'est démons qui vont déranger la vie à battre. Ce sont des démons, ils vont déranger la vie des gens. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous comprenez comment les choses se font. Si Satan a beau mieux avant ton temps, Satan te tue avant ton temps, tu deviens son esclave. Donc, comme esclave, il t'utilisera dans chaque domaine qu'il veut. A quoi utiliser Obisika Yalingi? Je parle pour toi. Que tu ne meurs pas entre les mains sinon de Satan. Bien tu vas souffrir. Tu vas faire des choses que tu ne veux pas. Les esprits des cimetières. Il y a une prison bien aimée. Tu es en prison à cimetière. C'est la prison du cimetière. Jésus vient. Et soyez. Il dit, mais non, Lazare, non, c'est pas possible. Habité, Lazare est causé. Lazare a encore dit quelques années de vie. Lazare, c'est un Mikola Kobika. Où l'avez-vous mis? Otie Wapi. Où l'avez-vous mis? Otie Wapi. Otie est en prison, Nini. Mais dans quelle prison? Samson l'a envoyé à Gaza. Samson a tiré la Gaza. Toi, on t'a envoyé au fond de l'eau. Bah, tu l'as servi. Des eaux, pardon. D'autres là, on les a envoyés dans la forêt. D'autres dans les airs. Toi, où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a mis? Otie Wapi. Alléluia. Amen. Yesu a localisé. Que Jésus te localise. Place Bataille. Samson va à Gaza. Samson était à Gaza. Na fief na bangokuna. Dans leur fief. Place ba Goliath bazalaka. Là où il y avait Goliath. Est-ce que Goliath bazalaka et moko tazaka na ba frère na ye ba géant? Goliath n'était pas seul, il avait aussi ses frères. Où est-ce qu'on t'a mis? Mathieu ou Abi. On t'a mis au bas Congo. Au bas Congo. Toi tu es ici en France. Awa, mais en réalité tu es à Mouchi. Or que Zara na Mouchi. Tu es à Mouchi. Zara na Mouchi. Alléluia, village na Mouchi.
Le village Mouchi. Alléluia. Amen. Batia bino wapi? Où est-ce qu'on vous a mis? Bien aimé, quand le diable il arrive à entrer dans ta vie, et après il t'arrête. Quand il va t'arrêter, troisième opération, il te crève les yeux. Et après cela, il va chercher une prison à haute sécurité. Yes, il ne pourra pas sortir. Il ne pourra pas sortir. Il ne pourra pas sortir. Il ne pourra pas se marier. Il sait où est-ce qu'il t'a mis. Attends, moi, si elle est en Europe, il ne fera rien. Il sait là où il t'a mis. Il sait là où il t'a mis. Où est-ce qu'on t'a mis, mon bien-aimé? Où est-ce qu'on t'a mis? Même Jésus. Même Jésus. Même Jésus pour guérir. Bien, mais il commence par localiser. Il commence par localiser. Samson que vous voyez là, il avait crié dans la prison. Et Jésus l'a localisé. C'est ainsi que Jésus est descendu là-bas pour le libérer. Est-ce que vous voyez la ndinga? Amen. Batia yo wapi? Où est-ce qu'on t'a mis? Batia yo wapi? Où est-ce qu'on t'a mis? Bien aimé, quelle est ta prison? Prison dans les Anini. Dans quelle prison tu vas goûter Boukani? Batia na prison nini? T'as mis dans quelle prison? Écoutez bien aimé. Après avoir envoyé Samson à Gaza, la Bible dit et non, attends. Je reprends le verset. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza. Est-ce que vous comprenez que c'est un processus? Quand tu entres dans les prisons sataniques, il y a un processus à suivre. Ils lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza. Et les lièrent avec des chaînes de reins. Ils les lièrent avec des chaînes de reins. Bien aimé, pas n'importe quelle chaîne. Puisque Samson était un dangereux. Toi aussi tu es dangereux. Tu es dangereuse. Quand on t'envoie dans les célibats là-bas, bien aimé, on va te lier avec les chaînes de reins. C'est pour cela Lazare, ils ont mis une grosse pierre pour l'empêcher de sortir. Qu'est-ce qu'on a mis devant les sépulcres, bien aimé? Qu'est-ce qu'on a mis devant la prison là où on t'a mis? Tu es dans une prison à haute sécurité. Prison haute mais sécurité. Le malheur est que tu ne comprends pas. Exactement. Après cela, la Bible dit, la fin de toutes choses, il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule dans la prison. Un jour, je vais vous parler de tourner la meule, si c'est quoi. Mais déjà, comprendre, tourner, c'est faire les ronds-points. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu marques toujours, bien aimé, les pas. Dans ce que tu fais, tu ne vas pas loin. Tu es toujours au même endroit. Tu ne peux pas évoluer. Oui, mais des fois, je vous dis la vérité. Des fois, moi, vraiment, j'ai mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous dégagez les confinements, là, les coronavirus. Soyez en bonne santé. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mais des fois, moi, j'ai mal. Des fois, ça passe. Puisqu'il me... Il m'arrive de réfléchir sur ma vie, de faire l'examen de ma vie personnelle. J'ai fait combien d'années ici en Europe? Qu'est-ce que j'ai dans la vie? Alléluia. Mais c'est normal. La Bible dit l'homme spirituel, il juge de tout et lui-même n'est pas jugé. Depuis que tu es ici en Europe, qu'est-ce que tu as? Oui. Tu connais les montants que moi j'ai les ronds-points. Donc tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Combien de salaires as-tu ici entre tes mains? Bah, salaire boni aux Mais aujourd'hui même 100 euros c'est problématique pour toi. 100 euros ça passe pour nous. Alléluia. Amen. Mais avec tous les salaires que toi tu as eu. Bah, salaire nous se voit qui? Tu es en train de tourner la meule. Aux autres tourner de faire beaucoup. Les ronds-points. Donc un prisonnier, pour identifier un prisonnier, quand tu vois une personne qui ne fait que tourner les ronds-points, comprends que cette personne-là est prisonnière. Puisque Dieu a dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il montera très haut. Mais quand tu es toujours sur place, déjà 2019. 2019. Le 31 décembre. 31 décembre. Ton compte c'était moins 10 euros. Vous avez qui n'a moins 10. Amen. Hein?
Amen. Mais maintenant, nous sommes au mois de juin. Quand, mois de juin. Quand même, tu dois avoir même 500 euros. Nous avons quand même 500 euros. Mais là, aujourd'hui, tu as moins 4 centimes moins dans ton 4, compte. Moins 4 centimes. Mais tu tournes en rond et pourtant, tu as travaillé, tu as gagné l'argent. Tu as un problème. Nous avons un problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous avez maté au tout les prédications que nous prêchons. Pour nous comprendre, que personne puisse se comprendre elle-même. Puisque la délivrance commence par la prise de conscience. La délivrance, c'est la prise de conscience. Tu réfléchis. Ça fait 5 ans que je suis marié. 5 ans d'abala. J'ai combien d'enfants? D'abotiba na boni. Il n'y a rien. Et l'or au mogoté. C'est en train de tourner la mer. Une maman hier, pendant la fête, m'a dit. Maman qu'on a fête à Ipsakinga. Papa n'a eu pas si pour nous luka moana. Papa, j'ai cherché un enfant, j'ai vraiment eu mal. Mais car moi est outre le cas, papa. Car moi est outre le cas. Le mois passé. Mon payaye na zo mimaga na pese mai. Un invité est venu. J'ai senti que j'ai commencé à saigner. Là, qui m'emba on a salle de bain, papa, et bien belé. Je pense que la salle de bain, c'est beaucoup sorti. On voit kanayo bazemi aux amants. Donc tu as des grossesses, tu as une femme qui peut enfanter. Mais prison bâtie au Simba moana. Mais la prison qu'on t'a mis, tu peux pas avoir d'enfant. Alléluia. Amen. Il faut pas en vouloir aux hommes qui viennent, qui partent. Non, tu es en train de tourner la mêle. Donc au Cameroun, là, on passe. Je vous ai dit, on va parler de la prison de Samson. Vous voyez bien aimé que Samson était malheureux. La souffrance des prisonniers. Samson qui était un homme puissant. Vous voyez comment il était réduit bien aimé. On commençait à se moquer de lui. On faisait de lui tout ce qu'on voulait. Samson était misérable. Mais ça c'est le problème. Mais je voudrais aujourd'hui bien aimé vous poser, vous donner la solution. Puisqu'on a posé le problème. De poser ma problème. Mais la solution c'est quoi? Solution c'est quoi? Nous allons dans Ésaïe 42 verset 7. Ésaïe 42 verset 7. Ésaïe chapitre 42 verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc ici vous comprenez, Dieu parle bien aimé dans l'époque de Ésaïe. Jésus-Christ n'était même pas encore né. Mais on parle déjà de la mission de Jésus-Christ sur cette terre. La mission de Jésus consistait à ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitaient dans les ténèbres. Voilà bien aimé la mission de Jésus-Christ. Qui était prédit par Ésaïe. Le prophète Ésaïe a déjà prédit la vie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ viendra pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons ceux qui sont captifs. Et à la venue physique de Jésus, la Bible dit bien aimé, on lui a donné le livre du prophète Ésaïe, donc les versets que nous venons de lire. Il a déroulé les rouleaux. Il a commencé à lire. Là, c'est Luc 4, à partir du verset 18. Tu peux commencer à partir du verset 17 comme tu veux. Écoutez le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Un misérable, c'est un pauvre. Alléluia. Quand on parle de la pauvreté, ça peut être financière, mais ça dépend. Un prisonnier, c'est un pauvre. Pauvre monsieur. Pauvre dame. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un prisonnier, c'est une personne qui a le cœur brisé. Des fois, les gens, bien, mais moi j'ai fait la prison en Allemagne, je connais de quoi je parle. Pasteur, on a derrière la prison. Alléluia. Pierre, tu as la prison. Paul, tu as la prison. Jérémie a la prison. Jérémie a eu la prison. Ma belle-sœur, n'a pas eu la prison. Ma belle-sœur, n'a pas eu la prison. La femme de fruit, à moins que je prie la femme d'État. Amen. Bien aimé, tu vois les prisonniers. Ma prisonnier. Des fois, pendant la promenade, la promenade, ils se réunissent.
Contre moi, vraiment, j'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi moi on voit ici. Jamal disait ça. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais c'est léger. Je suis innocent. Je suis innocent. Alléluia. Amen. Les prisonniers, tout le temps, ils se plaignent. Des fois, ils ont aussi raison. Ils n'ont rien fait. Mais dans les domaines spirituels, que tu fasses du bien ou pas, on te condamne. Là, il n'y a pas d'acquittement. Il n'y a pas d'acquittement. Les prisonniers ont les cœurs brisés. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. On t'a arrêté, bien-aimé, injustement. On t'a envoyé en prison injustement pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand on parle des captifs, mais les synonymes des captifs, c'est les prisonniers. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'annoncer, bien-aimé, à toi, à moi, à nous tous, bien-aimé, la délivrance. Nous qui sommes prisonniers, Dieu veut que nous puissions être libres. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Mais quand on parle des aveugles, ce n'est pas seulement les Bartimées. Les aveugles que Jésus est en train de parler ici, aveugle, oh, ce sont des aveugles spirituels. Alléluia. Amen. Comme Samson. Le col à Samson. Son cœur était brisé. Trahi par sa compagne. La trahison, la femme qu'il aimait. La trahi. Puisque la sorcellerie, c'est aussi la trahison. Alléluia. Amen. Bien aimé, il avait le cœur brisé. Et il était captif. Alors Dieu dit, je suis venu aussi pour les ouvrir les yeux. Puisque Samson avait les yeux crevés. Si on te met dans la prison spirituelle, on va te crever les yeux. Tu commenceras à normaliser les choses qu'on ne normalise pas. Une dame m'a dit, pasteur, moi j'ai ma vie, moi je vis bien. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Comment est-ce que tu vis bien? Ah, parce que moi, je suis déjà habitué. Hein. J'ai mes plats cuisinés. Micro-ondes. Dès que je viens, je prends mon plat, je le chauffe. Je regarde l'information. Après, elle normalise normal. Elles ont normalisé. Mais c'est une vie normale, ça? Est-ce que c'est une vie normale? Le Dieu qui t'a créé, il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Toi, tu dis que la solitude, c'est normal. J'ai ma vie comme je vis. Pas d'enfant, pas de mari. Tu dis que c'est normal. Bien aimé, donc cela veut dire que la personne est aveugle. On lui a déjà crevé les yeux. La personne a perdu la vision. Quand on perd la vision, on n'a plus de projet. Quand on perd la vision, bien aimé, on vit quotidiennement. Au jour le jour. Quand on perd la vision, tu vas vivre selon tes oppresseurs. Alléluia. Amen. Ne normalise pas, bien-aimé, des choses négatives dans ta vie. Dieu a voulu pour le bonheur d'Israël. Il a établi des lois magnifiques. Mais toi, tu vis le contraire de ces lois, bien-aimé. Pour toi, c'est normal. Je vais prendre les vacances pour m'occuper des enfants. Non, vacances pour mais la Bible dit deux valent mieux qu'un. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Bien, mais tu n'as pas besoin de prendre les vacances pour t'occuper des enfants. Si vous êtes à deux, pendant que toi tu travailles, le monsieur il va partir s'occuper des enfants. Mais comme tu es toute seule, tu t'adaptes à cette situation là ce n'est pas normal, bien aimé. Quand tu accompagnes ton enfant au foot là bas mais tu vois les amis, les amis de ton fils là accompagnés de leur père, mais toi maman tu es là au terrain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ta place? Alléluia. Amen. Moutou na moutazana moussala na ye. Nakati a couple. A son travail dans le couple.
administration, c'est le normalisation. Tu es en même temps une femme et en même temps un homme. Si vous connaissez quand quelqu'un est moisi mobali, comment on l'appelle? Vous savez comment on l'appelle un homme qui est hermaphrodite. Un hermaphrodite. Double sexe. Quelqu'un qui a un double sexe. Homme-femme. Un homme. Tu dis, moi, je suis moisi mobali. Moi, je sais chercher. Moi, mon bali a son bel ami l'autre. Un homme ne me dit rien. On t'a crevé les yeux, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Tu vas normaliser les choses qu'on ne normalise pas. Tu normalises ce qu'on normalise pas. Quand tu vois tout ce que tu fais est contraire à la parole de Dieu. Bien aimé, comprends que tu es en prison. C'est pour ça que Jésus dit, il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Quelqu'un comme Bartimée, il ne pouvait pas aller loin. Il n'avait pas de projet puisqu'il ne voyait pas. C'est pour cela, malgré qu'il y avait la foule, mais les cris de Bartimée est arrivé jusqu'à Jésus. Et Jésus l'a localisé. Jésus l'a délivré. Bien aimé, tu dois crier. Que Dieu te localise. N'accepte pas la situation qu'on t'a imposée. N'accepte pas. On t'a imposé une situation qui t'a plongé dans la misère. Toi, tu penses que c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants comme ça. Le sorcier est en train de bouffer les enfants. Lui, il dit, avec son pasteur, ils disent, Dieu a donné, Dieu a récupéré. Quel est ce Dieu-là? Ce n'est pas le Dieu que moi je prêche. Le Dieu que moi je prêche dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, bien-aimé. C'est okay, bah. Quand tu vois les choses qui commencent à te faire tourner, sache que tu es en prison. Oui, bah, il faut ouvrir les yeux. Oh, la donc la mission de Jésus, bien-aimé, mission à Yesu, consistait à nous ouvrir les yeux. Pour la la puisque Jésus, pour venir ici, pour il a aussi constaté que mon peuple est dans la prison de Satan. Je dois aller là-bas pour les libérer. A constaté que les dans la prison, il s'est dit, mais pour les libérer, il faut d'abord qu'ils sachent qu'ils sont en prison. Qu'ils prennent conscience qu'ils sont en prison. Mais s'ils n'ont pas les yeux ouverts, comment ils font comprendre? Ça sera difficile, bien-aimé. Et vous allez écoutez la fin du texte. Nasuka. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Après avoir ouvert les yeux aux aveugles, il va proclamer une année de grâce. Bien aimé, dans chaque pays, dans chaque royaume, il y a toujours la grâce présidentielle, grâce royale. La grâce royale. Où on libère les prisonniers. Alléluia. Amen. Franck Diongo était sorti par grâce. Barabbas est sorti de la prison par grâce. Bien aimé, la grâce, il n'y a que seul le président, le roi, qui a la capacité de gracier un prisonnier. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ton crime. Peu importe, mais lui peut te gracier et on va effacer ses péchés. Bien aimé, Dieu a dit, après avoir proclamé, donc enseigné, la délivrance sans l'enseignement, ce n'est pas la délivrance. Il a dit pour proclamer, donc pour enseigner d'abord. Il faut quoi un pasteur à Zofungolo, l'Iloba qui toque au bien-aimé. Je vais tomber sur un pasteur. Quand on regarde un pasteur à spectacle, il est à Télémi, à Zofungolo, la balle. Maman, toi là, toi, Dieu me montre. D'ailleurs, comme tu es là, tu es né le 24 décembre. Ça sert à quoi? Cinéma, distraction. Makamwa Kala. Makamwa Natango, alléluia. Et ça, c'est un impact. À l'époque, maintenant, c'est alléluia. Amen. Makamwa Kala. Des choses anciennes. Maman. On a dit qu'elle est rouge. Est-ce qu'elle a aussi? T'as une culotte rouge. Est-ce que je mens? Ouais, dans Azotuna. Est-ce qu'elle a aussi? Est-ce que je mens? Papa, spectacle, magicien. C'est un magicien. Alléluia. Amen. Oh, ils attendent où il y a retour à la parole de Dieu. C'est le temps du retour. Expliquez au peuple de Dieu bien-aimé. Regarde la caméra, on a Facebook. Je vois sur Facebook. Prophète Alobi Bengana Sakolaponayo. Prophète dit, appelle pour toi. Na Biblia, magamone zali. Dans la Bible, ces choses-là n'existent pas. Prophétie. Hier sur l'obéissance que Biloga Bana va passer à Bamboa. La prophétie, est-ce que les choses des enfants donnent ça aux chiens? Les gens suivent, sont pleins. Dieu me montre au Canada.
Canada. Il y a une maman. Maman Moko. Avant na canapé na ye. Elle est sur son canapé. Maman na libongando sali passe banda kala. Elle est mal au ventre depuis longtemps. Nzamba lobi maman obi qui place au ventre na canapé na ouan. Là où tu es sur ton canapé, je dis que tu es. Eh, ya lobi maman Moko. Na Facebook comment dans ma commentaire. Sur Facebook, ma maman Canada ba télémi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ngabi spectacle. Ba si ba bela ga libumu. Ba ba va rappeler na ba canapé. Elle est assise sur le canapé. Le kuta monene. C'est un grand mensonge. Ma gamboy. Ces choses. Bino bana na etumba. Vous les enfants de la guerre. Bozala bano ba lingi liloba. Soyez des enfants qui aiment la parole. Nous ne devons pas courir derrière le miracle. Puisque le miracle ne doit pas nous précéder. Miracle quoi, précéder. Mais le Seigneur a dit, voici le miracle qui. Ah oui, là, miracle le miracle qui. Les miracles qui accompagneront. Miracle quoi, donc cela veut dire, nous devons marcher avec le miracle tous les jours. Miracle, miracle. Le miracle. Vient, je le fais. Alléluia. Amen. Eh, yo miracle, maman. Comme on a Elisabeth. Est-ce que j'ai mal? Votre grand-mère, son nom c'est Elisabeth. Ah, c'est un prophète, il y a solo. Ah, c'est un vrai prophète. Ah, Mbikoudi. Non. J'en veux les quelque chose qui leur plaise. Maman, il y a un bourget. Une maman au bourget. Ah, il y a un prophète. Il y a un maman qui a prophétité. Elle m'a appelé prophète. Je suis tout sauf prophète. Je ne suis pas prophète. Puisque dans la FSM, nous jamais un prophète. Jamais dit que je suis prophète. Alléluia. Ben un docteur j'accepterai. Moi docteur. Ben un pasteur j'accepterai. Pasteur je l'accepte. Ben un gai ni sousou. Apôtre j'accepterai. Appelle-moi apôtre je vais accepter. Mais ben un évangéliste t'es puisque moi je suis pas évangéliste. M'appelle pas évangéliste. Que ben un prophète t'es puisque je suis pas prophète. M'appelle pas prophète parce que je suis pas prophète. Alléluia. Amen. Je me sers avec ce que Dieu m'a donné. Non, je n'ai pas besoin de prendre un manteau qui n'est pas le mien. Non. Un manteau est un gâté. Pour proclamer aux captifs une année de grâce. Je vous dis que Dieu proclame la grâce pour nous. Pour nous qui étions autrefois prisonniers de Satan, prisonniers de famille, Dieu proclame une année de grâce. Mais avant l'année de grâce, d'abord bien-aimé, ouvrir les yeux aux affaires. Vous voyez, dit Samson. A ça l'erreur grave. Samson fait une erreur grave. Samson, il y a un moment où il peut bloquer comme ça, après ça va battre tout et ça bien t'es. Des choses qu'on ne peut pas faire. Faut que toi colle la non à pour que personne puisse être affermé dans la parole. Mais Samson comprend. Muto bien aimé, aïe bon zambé bien t'es même pour personne qui connaît pas les choses de Dieu, vous lui donnez, elle va perdre cela. Samson a ça l'effort t'es. Samson a fait aucun effort. Samson a sambelaté. Il n'a jamais prié. Samson a jeûné t'es. Il n'a jamais jeûné. Pour azala ou azalaki. Pour être ce qu'il était. Karangolo. C'est moi la grâce. Ngolou a ne pèse une grosse tête. La grâce est donnée la grosse tête. Ah, comme on a basé un ndumba, baso pexa, zo yo gâté. On l'a empêché, mais il n'écoutait pas. Même qu'on sambe la Samson, et puis qu'on sambe la tête. Priez, Samson ne priez pas. Gale qui Samson, alléluia. Je suis plus que Samson. Gale qui Samson, hein. Je suis plus que Samson. Sauf qu'il y a bêta qui va filister, il y a bêta qui corona. Si il a frappé les filisters, il a frappé les corona. Amen. Gale qui Samson, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas Samson? Gale qui est sambe la. Samson ne sait pas prier bien. Samson est au sambe la tête. Il ne sait pas prier. Écoute la prière. Donc la prière d'ailleurs. Dieu, donne-moi la force. Pesa ma casse. Pour que cette fois-ci je puisse en finir avec mes ennemis. Mbona si sana manguna nanga. Et que je puisse mourir avec eux. Quelle prière! Moi la prière. Alléluia. Amen. Amen. Samson na kufa na bangoka. Je meurs avec eux. Ah. Oh, yo, lo, bien, on ce que tu as dit, c'est ce que le Seigneur te donnera. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort avec ces gens. La souffrance des prisonniers. La souffrance est ma prisonnier. C'est moi qui vais les finir. De savoir prier. Seigneur, donne-moi la force. Ils m'ont trop fait souffrir, ils sont trop moqués de moi. Que je meure avec eux. Mais je te donne ce que tu as demandé. Non, on peut ça. Oh, ils ont tué aussi. Est-ce que ça, c'était une prière à faire? Est-ce que Zaki, il est bon de là au sale? Non. Non. Seigneur. Seigneur. Restaure mes yeux. Tu as restauré les yeux de Bartimée. Tu peux restaurer ses yeux, la paix. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Il peut prendre la boue s'il veut. Il peut prendre la boue.
te mettre dans les yeux et réparer ces yeux-là qui ont été créés. Alléluia. Amen. Il peut t'envoyer, va dans les eaux de Siloé. Il peut te dire, bon, vois maintenant. Il peut restaurer tes yeux. Mais regarde Samson. Non, Seigneur, je vais mourir avec eux. Non, ne fais pas certains genres de prières bien-aimées. Il est mort comme ça. Sans enfant, sans femme, il est parti. Puisqu'il ne savait pas prier. Toi, il faut qu'on. Tu dois venir à l'église et qu'on te montre. Tous les grands leaders ont appris à leurs disciples comment prier. Même Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. La prière, ça s'apprend. Prière, balaksa ango. Nazomona mutazolo ba. Zambe. Quelqu'un qui dit Seigneur. On va lier tous les démons. On va lier les démons. Allez. Comment ça les lier? Lier Satan. Est-ce que c'est biblique ça? Est-ce que cela est biblique? Bible lobi. La Bible dit. Satan qu'on sera lié car on attend qu'on souka. Satan sera lié autant. Sauf que lié à Satan, ils sont liés depuis qu'elle a marqué ici là. Lié Satan, on l'aurait lié depuis longtemps. Mais tant la vie à Jésus. Suivez la vie de Jésus. Aucune fois tu verras Jésus lier les démons. Lié Jésus. Mais Jésus ne faisait que chasser les démons. Alors ben à la bango. On ne lit pas les démons, on chasse les démons. Alléluia. Moi comme mon église mon néné, baso lié les démons. Na lié yo. Na lié yo. On lié yé na. Tu l'as lié avec quelqu'un. Parce qu'il revient tous les jours. On ne lit pas les démons. On chasse les démons. La prière bien-aimée, ça s'apprend. Prière, va écouler. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Dans la vie Samson ne savait même pas prier. Samson est rebond de la terre. Il pouvait demander à Dieu. À cause de Nzambe. Seigneur, restaure ma force. Pour restaurer ma casse. Puisque Jésus s'appelle le restaurateur. Parce que comment est-ce que Seigneur, restaurateur? Restaure ma force. Pour restaurer ma casse nanga. Afin que j'en puisse en finir avec mes ennemis. Ils m'ont humilié. Seigneur, je veux me venger. C'était ça la prière à faire. On les a qui prière. Oh Nzambe, na kufa na bango. A kufi pe na bango ko akei. Et aussi il est aussi mort avec eux. Histoire avec Kandengwana. Son histoire s'est finie. Bah, bon, bah, esclavagisme. Les parents sont restés esclaves. Il y a qui la mission. Le qui avait la mission. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Mettons-nous debout, bien-aimés. Je voudrais que tu pries vraiment avec détermination. C'est ton histoire, bien-aimé. C'est ton histoire. Tu n'es pas venu dans ce monde pour passer au passé simple. Tu dois marquer ton époque. Tu dois laisser ton nom. Mais le diable connaissant ce que Dieu a établi comme loi dans ta vie, il t'a affaibli. Il t'a envoyé en prison. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne t'en sors pas. David a dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Bien-aimé, quand tu vois des ténèbres dans ta vie, comprends que tu es dans une prison. Quand les diables nous cherchent, c'est pour nous envoyer en prison. En prison, bien-aimé, il n'y a pas la lumière. En prison, il n'y a que des ténèbres. Il y a des gens bien-aimés dans certains domaines de leur vie. Ils ne voient pas clair. Ils ne font que pleurer. Oh, bien-aimé, la Bible dit racheter les temps. Mais le verset continue, dit. Car les jours sont mauvais. Donc si tu dois racheter les temps, puisque les jours sont mauvais, le diable est à l'œuvre. Il est en train d'emprisonner les enfants de Dieu. Il est en train de nous faire passer les temps, bien-aimés. Ta mère, on lui a donné 20 ans de prison. Ta mère m'a baissé 20 ans de prison. Il a 61 ans. Il a 61 ans. Bien aimé, s'il ne meurt pas, soit tôt ou tard, il sortira de prison. Tôt ou tard, Akobima. Mais s'il sort de la prison à 81 ans, qu'est-ce qu'il va encore faire de sa vie? Est-ce que vous réalisez, bien aimé? Puisque un jour, peut-être, il sortira toujours de cette prison-là. Mais est-ce qu'à cette époque-là, est-ce que Nathan Wana? Tu seras encore capable. On sera capable. Capable de te marier. Et au bas là. Ça ne marchera pas. Et aussi, Mathé.
L'homme ne veut pas t'épouser. Vaut mieux tard que jamais. Non. Rachète le temps. Oh, rachetez temps. Un prisonnier bien-aimé, batika gaï tango basiba basilici. Le prisonnier, on le laisse quand on l'a fini. Nous voyons le pasteur Coutinho. Nous voyons le pasteur Coutinho. C'était un homme puissant. Tanguya. Quand est-ce qu'on l'a libéré? Quand il a été affaibli. Aujourd'hui, il ne peut rien. Tous ces temps que moi je suis resté debout pour vous prêcher, lui, il ne peut pas. Quand ils ont vu que maintenant, bon, c'est fini. Allez, libérez-les, libérez-les. Comme ça qu'il allait mourir, on ne dit pas que c'est nous. Alléluia. Amen. Tes deux mains en l'air. Bénis le message, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a dit. Élève ta voix, dis-lui quelque chose. Bien-aimé, tu sais qu'est-ce que tu as à lui dire? C'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui bénit. Bénis le Seigneur bien-aimé. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Il est bon pour toi. Il fait des choses merveilleuses pour toi. Dis-lui merci, merci. Élève ta voix, élève ta voix. Merci pour le message. Beaucoup bien-aimés étaient dans les églises aujourd'hui. Mais ils n'ont pas écouté de telles sortes de messages. Mais Dieu te l'a accordé, bien-aimé. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Il est bon, bien-aimé. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux. Élève ta voix. Merci Jésus pour le message. Merci Papa. Puisque tu m'ouvres les yeux. Puisque je commence à comprendre. Merci Père. Sois élevé. Sois adoré. Mon âme te dit merci. Merci Papa. Le message d'aujourd'hui, c'est un message que tu m'as destiné. Je te rends grâce Yahweh. Je te rends grâce Shiloh. Je te rends grâce Papa. Tu es bon Jésus. Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, qui est semblable à toi. Merci Père. Quand le malheureux crie, tu entends. Tu as entendu mes cris, Jésus. C'est pour cela que je viens te rendre grâce. Sois adoré. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci Shiloh. Merci Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bien aimé, lève ta voix. Bénis Dieu. Bénis Dieu. La Bible dit. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé la parole. La parole de cet après-midi. C'est la parole qui t'a été destinée. Élève ta voix. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Au nom de Jésus. 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 Bonne-la, mon lingami. Bondela molingami, pambola nzambe atindelo lilo balelo, pambola e, pambola e. Bien-aimé, élève ta voix, prie. Bénis ce Dieu qui a envoyé sa parole aujourd'hui. Dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Nzambe atindelo lilo balelo, pambola e molingami. Bien-aimé, molingami. Samson a commencé à crier depuis la prison. Samson banaye ko ganga uta boloko. La Bible dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Un prisonnier, c'est une personne qui est en détresse. Comme Samson, comme Jonas. Comme David. Bien-aimés, ils ont crié dans leur prison. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de te localiser. Oh, bien-aimés, écoutez. Jésus a posé la question au serf de Lazare. Où vous l'avez enfermé? Où vous l'avez enfermé? Puisque la prison c'est un endroit d'enfermement. Où l'avez-vous mis? Non, Dieu veut te localiser. Si les gens ne vont pas dire, mais toi-même tu peux dire comme Bartimée. Jésus, localise-moi. Dans la prison du célibat. Dans la prison de la maladie. Dans la prison de la pauvreté. Dans la prison des
échec. Élève ta voix. Demande à ces dieux de pouvoir te localiser. Que ces dieux te localisent. Là où on t'a mis. Samson l'a envoyé à Gaza. Samson l'a envoyé à Gaza. Toi on t'a envoyé au célibat. Toi on t'a envoyé à la maladie. Toi on t'a envoyé à la pauvreté. Toi on t'a envoyé à l'humiliation. Demande à Dieu de te localiser. Calme malheureux cri. L'éternel entend. Calme malheureux cri. L'éternel entend. Oh bien aimé. Cri. Que Jésus te localise. Localise-moi. On m'envoie dans la prison. Dans la prison de la maladie. Dans la prison du célibat. Dans la prison des échecs. Dans la prison de la stérilité. Oh Jésus, localise-moi. Comme tu as localisé Samson. Comme tu as localisé Bartimée. Localise-moi Yahweh. Cri tu es dans une situation. Osana situation moko. Tu ne vois pas clair. Osomona clair. Les choses bougent. Makamozo ninga. Peut-être c'était un contrat. Tamsuzo ya ki contrat. Mais tu vois comme si il y a un plan de rejet. C'est comme si tu avais comme un plan moko ya kokwa sama. Tu as postulé quelque part. Tamsuzo postulé quelque part. Peut-être tu avais un projet. Peut-être tu avais un projet de mariage, je ne sais pas. Projet aliba la tosongo. Peut-être c'est ta santé. Tamsuzo ya ki santé. Tu commences à sentir comme si tu vas faire un rechit. Osomona loko ko sa rechit. Bien-aimé, tu ne sais pas. Tu ne vois pas clair quelque part. Osomona clair. Écoutez bien-aimé. La Bible dit. Bible lobi. Les disciples. Ils étaient bien aimés dans la barque. En train de traverser. Mais la tempête a commencé. Bien aimés, ils ont crié. Jésus localise-nous. Nous sommes au milieu de la mer. Et la tempête veut nous engloutir, Jésus. Viens à notre secours. La situation qui nous traverse. Tu vois comme si la tempête frappe. Il y avait le projet de mariage, ça bouge. Moussa les travail bouge. Bonbon les le commerce bouge. Bafé les ningana. Bandako et Misaïe soient localisés. Commence à dire à Jésus de te localiser. Et cri. Ganga, ganga. Cri. Ganga, ganga. Cri. Ganga. Que Jésus te localise. Que soit localisé. Que Jésus te localise. Que Jésus te localise. Cri bien aimé. Que Jésus te localise dans la prison qu'on t'a enfermée. Dans la prison qu'on t'a enfermée. Cri bien aimé. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus Christ. Bien aimé, nous avons lu un texte qu'on n'a pas exploité. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 29. Ce verset dit ceci. Verset 9. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Bien aimé, vous avez compris. Quelqu'un qu'on a crevé les yeux qui n'a pas une bonne vision. Il va commencer à tâtonner en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. En plein journée là où les gens résistent, toi tu ne comprends pas. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Puisque tu n'as pas une bonne vision. Puisque on t'a crevé les yeux. Regarde ta vie bien aimée. Tu n'es qu'en train de tâtonner. Tâtonner avec des hommes. Tâtonner dans tout ce que tu fais. Dans les affaires tu tâtonnes. Dans les projets tu tâtonnes. Bien aimé, puisque
personne t'a crevé les yeux. Les deux en l'air, mes bien-aimés. Nous allons crier vers Jésus. Comme Bartimée. Jésus restaure mes yeux. Jésus restaure ma vision. Jésus ouvre-moi les yeux. Jésus ouvre-moi les yeux. Que je sois clair, Jésus. Que je sois clair, Yahweh. Pour mon mariage, que je vois clair. Pour ma santé, que je vois clair. Pour mon avenir, que je vois clair. Pour mes affaires que je vois clair. Pour la vie de mes enfants que je vois clair. Pour ma fécondité que je vois clair. Élève ta foi, Que Jésus restaure ta foi. Il est le restaurateur. Il restaure ta vision. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez-moi. Molingami, écoute. Le fait de rester longtemps dans les ténèbres. Le diable peut te changer la vision. Toi que Dieu avait montré, Dieu t'avait déjà montré dans un bon mariage. Tu vas aller te solder chez un homme, un ivrogne. Un fumeur de chambre. Tellement tu as vu les noirs. Vous savez bien, mais quelqu'un est naufragé, quelqu'un qui est dans l'eau. C'est lui qui va venir, je vais partir. Elle perd sa vision. Parce que Dieu t'a montré la vision des grandeurs. Toi, tu dois épouser les rois Assyris. Tu dois épouser n'importe qui. Faute de mieux. Ténèbres pèse à mon vision. La ténèbre dont le père la vision. Attends, longwa mino nyon soa. Parce qu'il a tout perdu les dents. Tu l'acceptes, je ne sais pas comment tu vas faire des bisous. C'est très mauvais. Alléluia. Amen. Commence à refuser toute vision négative que le diable a commencé à te montrer et que tu as commencé à t'adapter. Pour faire une grande fête, parce que tu n'as pas l'argent, tu dis que ce soit comme ça. Une mauvaise vision. C'est très mauvais. Il faut zonger la vision. Les anciens choses, tu dois retourner dans ta vision. Commence à refuser. Toutes les mauvaises visions. Que l'ennemi a commencé à te montrer. Commence à refuser. Refuse la vision de l'ennemi. Refuse la vision de l'ennemi. De Jésus, toute vision négative, Je rejette toute vision négative.
Bien-aimé, le Seigneur dit, ma parole est une lampe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut répéter après moi. Ma parole est une lampe. Est une lampe. Ça ouvre les yeux. Ça éclaire la vie. Ça montre les chemins. Ça montre l'avenir. Bien-aimé, Bartimée a demandé à Jésus. Il a dit, je veux voir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux voir clair sur mon avenir. Je veux voir clair sur mon mariage. Je veux voir clair sur ma fécondité. Je veux voir clair sur mon travail. Je veux voir clair sur ma santé. Élève ta voix. Demande à Dieu de restaurer la vision. Que tu vois clair. 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 Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois clair. À ton mariage. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Dans ta santé. Dans ton avenir. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Au nom de Jésus Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé. Puis que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois clair pour ton avenir, que tu vois clair pour ta fécondité. Prie bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois clair, que tu vois clair pour ton mariage, que tu vois clair pour ta réussite, que tu vois clair pour tes affaires, que tu vois clair. Prie bien-aimé, dis à Dieu, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59, verset 10. Je lis encore, je répète. Ésaïe chapitre 59, verset 10. Écoute. Yuka. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Un aveugle devant un mur. Il va se cogner bien-aimé. Il ne peut pas sauter les murs parce qu'il est aveugle. Donc cela veut dire l'aveugle est limité. Quand on parle de limitation, on voit la prison. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Celui qui ne voit pas. Un aveugle. Même les yeux qu'il a, c'est juste l'étiquette. Il ne voit pas, ça ne lui sert à rien. Il dit, mais tu n'as pas les yeux spirituels. 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme la nuit. Moi, toute ta vie, tu ne fais que pleurer. Depuis que l'année a commencé, même la dîme, tu n'as jamais donné. Toi-même, tu ne fais que pleurer.
Même la nuit, tu ne donnes pas. Nous chancelons la nuit comme des nuits. À midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, il y en a beaucoup. Les autres trouvent, les autres gagnent. Mais quand tu ne gagnes pas, tu ne trouves pas. Pendant que les hommes chôment, mais toi tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Est-ce que tu es en prison? Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Par rapport à ce verset bien. Regarde ta situation. Élève ta voix. Dis-moi, si tu vas pleurer, pleure. Élève ta voix. Dis-moi. Bien-aimé, tu es en train de chanceler. Tu es en train de te cogner sur des murs. La nuit comme le jour. Je suis comme si je n'avais pas des yeux. Je ne vois pas clair dans ma vie. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, pour terminer. Il y a tellement de sujets, mais faute de temps. Nous allons prier, bien-aimés. L'église a prié. Dieu a localisé Pierre où on l'avait mis. Et Dieu est descendu dans cette prison-là. Il a tenu Pierre par la main. Il lui a fait sortir de la prison. Et Pierre a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, tout a été restitué. Dis à Dieu de descendre dans ton célibat. De descendre dans ta maladie. De descendre dans tes problèmes. Qui te traîne par la main. Dès que tu récupères tout ce que tu as perdu. Dis quelque chose à ton Dieu, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ.
Que tous les problèmes de mon frère tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les problèmes de ma soeur tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme Saoul était étonné. Que le monde entier aussi soit étonné. Qu'il se pose la question. Mais qui est-il le fils? Mais qui est-il la fille? Car Seigneur, mon frère, ma soeur. Sont tes enfants. Et tout le monde voit. Ce sont tes enfants. Toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Partout, ils se retournent dans les prisons. Comme tu as fait sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte. Et ils sortent aussi. Le pharaon tombe devant eux. L'armée de pharaon tombe devant eux. Comme le.